je le fouille. On peut pas se mettre tous en mode méditation pour regarder les PV, non? On a trouvé ce qu'on cherchait avant. J'ai très envie de le fouiller. Il y a des mots. Moi je vais récupérer mon point américain. C'est vrai qu'on sort, on pourrait rentrer maintenant. Vous avez pas une arme de corps à corps un peu cool? Tu veux un couteau? Est-ce que lui il a quelque chose? Un couteau? Alors tu fouilles. Parce que là, mon tu fouilles le mouton. Ah, les 5 perfos. Hein. Tu fouilles le mouton de loin, c'est prendre mon fusil pour lever les trucs. La seule chose qui reste, c'est une plaque d'identification. Non, prends. Combien t'as de Trongelt? Que j'ai l'air. Trongelt. C'est l'ancien soldat qui s'appelle Astus. Astus? Astus. Avec un H. A-S-T-U-S. Ok. Astus. Avec un H? Oui, tu me dis A-S-T-U-S. A-H-A-S-T-U-S. Astus. Astus. Notez pas à double les équipements, c'est ça. Je sais pas ce que tu m'as dit. Je vais mettre le nom du soldat, ok. Il avait des trucs sur lui. Ah bah Rassus, c'était pas le nom. Non, c'est le nom qui est sur la plaque. C'est pas la plaque. Quelqu'un l'a pris ou moi? Oui, je prends la plaque. Oui, justement, c'est sa tanière. Vous trouvez. Il a pas un reste déjà. Oui, il y a des restes, mais t'as pas envie d'aller fouiller dedans vu que c'est visiblement humain. Ah, mais pas, on voit pas un bout d'arme. Non, il a plutôt tendance à susauter à manger de la chair humaine. Bah, justement, c'est comme s'il a mais ça, ce qui ne reste pas son. Vu non. Qu'il a 8 yeux, il a des lunettes. Des signes de mutation autres que ses yeux et ses griffes. Il ressemble à une araignée ou pas? Ah ouais, il est moche, ouais. D'accord, non, il ressemble à une araignée. Non, il a pas d'autre. Il ressemble à rien du tout. Il a une arme, là, on voit. Il ressemble à rien du tout. Oui, bah, il y en a pas. Ah bon? Non. Il se battait au point. D'accord, dommage. Avec des griffes. Oui. Parce que s'il avait vraiment une arme, on était tous morts. Bon, il tu veux pas utiliser un point de destin pour reprendre des points de vie ou... Parce que si il vient en négatif, s'il utilise un point de destin pour reprendre des points de vie, est-ce qu'il repart directement du positif ou est-ce qu'il repart du... Bah là il a 0 donc il va simplement... Ouais mais si Jean il arrive à moins 3. Non, t'es toujours à 0 mais par contre il risque de se prendre un critique moche. Perdre un usage d'un bras... Après c'est vraiment des critiques genre blessure mortelle, machin, cicatrice... Voilà, hémorragie, blessure mortelle, bras coupé... Ça m'a démilité carré. Ça va vite. Ça va vite. Je t'en ai pas, ouais. Donc je te fais pas. Normalement, je pensais pas. Tu penses que c'est pas. Je pense les rares fois que je t'es pas bien du tout. Hein. Là, t'es adossé contre un mur avec le vide ouvert, des hématomes partout parce que t'as une chute, etc. Et ça, c'est point de fortune. Moi, je propose à mon. Point de fortune, à la pucelle. C'est un point de fortune. Qui dit que je suis fait. Je suis ok, 1 des 5. Je file mon couteau à. Je vois qu'elle marche bien au corps à corps, qu'elle avait besoin d'une vraie arme. Mais t'es complètement con, faut le vendre au moins. Tu veux le vendre après. Attends, j'ai fait le ninja quoi. 3. 3 points de vie. C'est déjà ça. Bah oui. C'est mieux que rien. Le couteau. J'ai rajouté mon gros couteau de cuisine. Je te le rends bien. Oh oui. Inspiration. Adepte du couteau de cuisine. Sur 400, j'ai pas fait de chose. Est-ce qu'on a gagné d'expérience? Non. Bien sûr. On a tué. C'est pas d'aider, hein. C'est à la fin du scénario. C'est pas le portant du trésor. Et même à donjon, je fonctionne pas comme ça, donc du coup, vous ne cumulez pas les pecs. Je me casse sa pue. Je me casse sa pue, ça sent mauvais. Où est-ce que vous allez? On passe devant, quoi. On peut se concerter, savoir si on continue l'exploration ou si on remonte. Par contre, on sait qu'il y a des vrais mutants. Bah, on savait déjà ça, il l'avait dit avant. Mais qu'il y avait des mutants. Oui. Non, ils ont dit qu'ils ont vu des mutants et des démons. Bah, mais on n'a pas la preuve des démons encore. Non, on n'a pas la preuve des démons. Moi, je pense que c'était largement suffisant pour remonter. Genre, on a un bout de mutant. Ils vont les garder de faire clap clap. Vous êtes de l'inquisition, vous devez éradiquer la menace aussi. Je trouve ça un peu laid. Est-ce qu'on a des sacs à dos, s'il toile, ou des sacs de je sais pas quoi? Non, vous avez rien de. Vous avez rien de particulièrement volumineux. Tu ramasses la tête. Tu la poses là, puis tu la reprends quand t'en pars quoi. Tiens, je te prête mon couteau. Il a déjà un couteau. Là, j'ai bon. Bah, c'est tant mieux. Non, vous avez pas de sac de toile. Je vais. C'est dégueulasse. Tu peut-être qu'au retour tu te diras que c'est le moment, mais là tu vas te trimballer avec une tête morte, dégueulasse de mutant dans les poches. On sait où elle est. Pas sûr d'avoir très envie. À 15 ans, il y a des choses que tu peux faire. Tu serais étonné. Il va pas bouger. Je kiffe ça. Il va pas bouger. Je sais pas. On sait où elle est. Normalement, il est pas censé bouger. Si on n'est pas pressé au retour. Le mec n'est plus censé vivre. Je suis là. Le mec n'est plus censé. Alors, on va voir ce qu'il y a dans les. Oui, je viens avec toi. Moi, je viens aussi gentiment. Toujours quelque chose derrière. C'est une large intersection dont la lumière éclaire un espèce de carnage. Le sol est couvert de flaques de sang à demi coagulées. Encore. Ouais. Sur les côtés, vous voyez qu'il c'est y a. Original. Oui, c'est pas trop original. Sur le côté,
Il y a des grottes. Visiblement, c'est quelque chose de naturel. C'est pas comme le couloir, par exemple. Il y a certaines parties, ça a été renforcé, il y a des parois, etc. Mais là, c'est vraiment des grottes. Vous avez sur la gauche une grotte avec un pilier central relativement important, et sur la droite, vous voyez pas bien, mais il y a une espèce de courbat. Hein, dans les... On peut retenter d'ouvrir la porte. Est-ce que vous aussi. Essayez de voir plus devant ou est-ce que vous allez sur les côtés? Encore la porte qu'on peut retenter d'ouvrir. Bah là, on va peut-être attendre. On voit plus ou moins là. On essaie de regarder. On se pose à l'angle, comme ça, tu vois. On voit ce qu'il y a devant, on voit ce qu'il y a à côté. Alors, vous me faites un jet de vigilance. Je sais pas que ça porte ouvre. Putain. C'est toujours la spécialité. Eux seulement Non. Tout le monde. Ouais, enfin, si vous êtes... Au cas où la porte s'ouvre. Ok. Donc, raté. J'ai réussi n'importe où au niveau de réussite. Merci. Moi je vois rien. 98. Ah bien. Toi ce que tu vois. Moi tu regardais l'autre côté. Moi je surveillais lui là. Toi ce que tu vois surtout c'est tout au fond du couloir une lueur. Une faible lueur vacillante de couleur rose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme si c'était une espèce de petite bougie, mais visiblement avec une couleur rosâtre. C'est pas bon ça. Ah, et t'as réussi avec un niveau de. Ouais. Alors, attends. J'ai la compétence. Est-ce que vous avez utilisé une arme à feu? Non, pas encore. T'as failli, mais t'as pas fait. Non. En plus, moi j'ai un pistolet. En regardant sur le truc qui fait. En regardant sur le côté direction le technoprêtre. Toi, tu. Il y a quelque chose là-bas, il y a un couloir. Je sens une perturbation dans la force. Toi, tu remarques qu'il y a des ombres de l'autre côté. Par là-bas. Voilà. Visiblement, rapidement, tu jettes un œil, tu vois, il y a visiblement quatre formes qui sont en train de marcher ou qui sont accroupies. Ils vous ont visiblement pas repéré. On ferme la porte. Si on... Il n'y a pas de porte, c'est des éboulis. Ouais, mais la porte derrière. On ressort, on ferme la porte. Tu penses que ça doit être des mutants. Je veux pas être méchant. Mais si on va là-bas et qu'on fait du bruit et qu'on attend le temps, c'est vraiment pas bon. Non. Ils sont 4 en boule. C'est des grenades frag, c'est pas des grenades explosives. Ça peut passer. La grotte est assez grande, hein, celle qui est sur le côté. Mais on voit, est-ce que tu arrives de dessiner le monstre? Oui, il n'y a pas de risque, il nous revient sur la gueule. Si, c'est pas plus. Alors en fait, techniquement, tu vas lancer à X case avec un maximum de, je sais plus, c'est force, mètre, je sais plus quoi. Et après, je vais revenir un petit peu et vous serez peut-être dans l'explosion. Dans la zone de l'explosion. Tu lances et on fuit en fait. C'est-à-dire qu'il faut que je me mette par là, moi. Si tu veux, ouais, mais. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a visiblement une grotte comme ça. Voilà, je vais t'enquiquiner. Oh non! Sabotage! Avec un pilier central. Là, ça a l'air de s'ouvrir sur quelque chose. Quelque chose dans ce goût-là. Et vous avez 4 mutants. Maintenant qu'il vous a dit qu'il y avait quelque chose. Vous avez 4 mutants qui sont. Ils sont du même acabit que l'autre ou... Non, ils ont l'air moins impressionnants. Là, ça a vraiment l'air d'être des humains qui ont muté avec... Plus light, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus light. Il y en a certains, en regardant un petit peu, vous avez l'impression qu'ils sont en train de courir après des mille-pattes pour les susauter. Il y a des gros mille-pattes orange fluo. L'autre temps, on voit quoi. Ah bah là, la grenade, c'est pas une bonne idée. Non, la grenade, c'est pas une bonne idée. Surtout que si elle fait poc, vous voyez, c'est quoi. Quelque chose dans ce goût-là. Là, c'est moi, là, encore, ouais. Le truc rose, je l'ai vu là. Non, toi, tu l'as vu tout au fond. Là-bas, d'accord. Ouais. Là. Non, pas le cake. Tu veux dessiner un poil, hein, parce que là, c'est un quoi. C'est fermé ou c'est un couloir? Là, il y a un coup, visiblement, au... Soit en face dessous, soit dessus. Au niveau de la grotte, et vous ne voyez pas plus loin. Je vais pas aller plus loin. Par contre, là, il y a une entrée. Tu veux qu'on fasse? Pendant que tu me dis deux en avant à gauche. Là, il y a aussi une entrée. Ok. Et puis après, ça vous amène en fait vers quelque chose. Et puis là, il y a l'espèce de lueur rosâtre. Bon, je propose qu'on s'occupe de ces 4 bus en essayant de faire pas trop de bruit. Ah, comme il dit, on n'a pas trop le choix, sinon ils vont nous sortir du dos. Comme entre moi devant et puis vous derrière. On fait en sorte de. On a un moyen de s'approcher discrètement d'eux sans qu'ils nous chopent. Déplacement silencieux.
personnage. On va voir ça. Ah, c'est des assassins aussi. Bon, ça veut que dire que je vais faire moins de 29, hein, mais. C'est sur l'agilité, moins de 37, moi. Bon, bah, tu vas, toi. C'est des assassins débutants. Où on se met tous en position de tir, on tire tous. Si on arrive en position furtive à côté d'eux pour faire une attaque, qu'est-ce qui se passe? Tu feras les dégâts normalement, mais ils pourront pas réagir. La surprise, c'est si vous attaquez maintenant, même en chargeant comme des gros bœufs, ils sont surpris, donc ils ne peuvent pas agir le tour 1. Donc on aurait pas d'action. 1 ou 2 le tour 1. Ils sont vachement moins effrayants que celui que vous avez vu avant. Moi je serais assez pour avancer une ligne, on tire tous, ils sont surpris, on retire tous. Moi je suis pour tirer, mais le souci de tirer, c'est que s'il y en a d'autres. Par là, ça va. D'accord. On a une chance d'éviter. On se barre ou pour la tête. Les armes laser, elles sont pas. Vous êtes quand même censé éradiquer le mal. Ouais. Mais il faut trouver aussi ce qui a pas fait. Pas au prix de nos vies. Non, mais il faut trouver ce qui a fait. Bah si, justement. Ah si, si, t'es dans la mission. C'est au prix de ta vie que tu vas résoudre ta mission. C'est pas juste. Je propose que tu mets un. Parce que là. Un là, peut-être. Je veux dire, ils vont pas. Vous êtes de la mission. Vous êtes l'autorité suprême. On n'appelle plus personne après vous. Des c'est tout. Si vous ne faites pas le taf, il n'y a personne qui le fera. Bon, on retourne, on soigne, on revient, on retourne, on soigne. Non, mais gardez la porte fermée, hein, ça va bien. On revient dans une semaine. Non, hein, mais je propose qu'on fasse une ligne et qu'on tire, ça soit, c'est une bonne solution. Au pire, des armes. Au pire, avant de faire comme ça. Les armes d'énergie, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait comme un tir de laser. Ça fait du bruit, mais c'est. C'est moins qu'un fusil à pompe. Si tu veux, j'ai un fusil à pompe. Ouais, si tu veux, j'ai quelque chose pour toi. Ça fait beaucoup de lui lance flamme, mais bon. Moi je recule d'une case. Je vais faire prêtre, on lance. Je suis T'es techno-prêtre, très prêtre. Il y a vraiment prêtre. Ecclésiaste. C'est le curé de leur cordeau. Le curé au lance-missile. C'est très sympa. Oh, si tu veux vraiment faire le fou. Hérédique. Le fanatique et tout. C'est génial. Bah, dans ce que t'avais mis, il n'y avait pas. Ecclésiaste. D'accord. Bon. Mais je vais pas dire tout. Alors vous avez la possibilité, si vous prenez Ecclésiaste, de voir un lance-flamme, parce que ça tout le monde va prendre Ecclésiaste. Alors moi j'aurais fait Arbitesse à ce moment-là, parce que c'est le meilleur bateau. Oui, Arbitesse, c'est super bien équipé. C'est la loi. On se met en position pour tirer tous. La racaille, ça va. Est-ce que tu veux utiliser les grenades? Non, pas j'en plus la merde. Puis y'a un pilier qui va faire rebondir la grenade sur ma gueule, qui va faire des trucs pas bien. La grenade, tu la gardes si genre ils arrivent de là, voilà, si là-bas. À 8! Pas à 4. Attends, on peut fermer la porte. Puis... Alors, mettez-vous en position pour faire feu. Mais attends, mais tu veux aussi. Ceux de devant peuvent être à genoux pour ne pas bloquer la ligne de vue de ceux derrière. Bah, je me mets. Toi, t'es subtil. T'es petit là dessus. Mais. C'est pas juste avancer encore un point. Non, je prends le pistolet. Parce que là, moi, je vise en queue là. Ouais, je m'en fous, hein. Et vous avez la possibilité de viser. Bah, ouais, ça, je me prends lui. Moi, je vise sur le à gauche. Bah, soit on se met tous sur un pour le dégomme. Bah, moi je vois le mec là, donc techniquement je peux tirer dessus. Ou alors on fait 2-2. On peut faire 2-2. On fait 2-2 d'après moi. Et après ouais, on fait 2-2. On fait les deux lignes comme ça. Genre nous deux là, et puis les deux là. Clac. Ouais, ouais. Si ça vous va. Ok. On verra si les assassins ou les autres sont meilleurs. Ça dépend pas comme bonus au tir. Le pistolet laser coupe, je sais pas quoi. Ouais, je vais changer. Alors, pendant que vous êtes en train de vous positionner, vous remarquez qu'il y a deux mutants qui vous repèrent. Ah. Parce que bon, le temps avance. Oh non, je pense. Attends, je passe devant. Hein, ceux de là vous repèrent. Et on va faire un test d'initiative. Il y a des chances que vous puissiez jouer avant quand même. Parce que vu la vitesse d'agilité de cette foutue, c'est 4, c'est plus le. Putain. C'est des 10, c'est juste. Des 10 plus le bonus d'agilité. Putain, j'ai des mutants. 7. 8. 8 aussi. Les mutants avancent avant. 5. T'as combien de bonus d'agilité? 3. Ah oui, tu vas attaquer avant. Ils ont fait combien? Mais t'as fait 5. Non, j'ai fait 2 et 3. J'ai fait... Moi j'ai fait 7. Oui, mais j'ai fait 5 aussi. Mais comme t'as un bonus agilité supérieur à moi, c'est toi qui joues avant. Donc vous pouvez y aller pour une première rafale. Je ferai bouger les mutants si par hasard ils restent vivants. Alors, attends, non, parce que celui-là en fait, je vais tourner. Alors ceux-là vous ont pas remarqué. Par contre, ces deux-là vous ont remarqué et ils peuvent agir si vous ne les tuez pas. Faut tirer d'abord sur les deux qui nous ont vus. Non, okay. Non, pas qu'il plus près. Comme vous avez passé un il va avancer de 3, 1, 2, 3. Ouais, non, mais il peut avertir de l'autre. Il peut avancer de plus, il peut faire une charge, il peut faire quoi que ce soit. Il peut avertir les autres aussi. Je pense que les autres vont être avertis à partir du moment où vous allez venir. Ça change rien. Je tire sur celui-là. Moi, je pense que ça change rien. On se met nous deux ici, puis vous deux ici. Alors, vous avez de toute façon un bonus de plus 20% parce que j'ai considéré que vous avez visé pendant un tour. C'est ce qui vous a fait en fait repérer. Ok. Vous êtes bien positionné. Alors, stop. Par ordre d'initiative 8. 7. 8. 5.
Vous avez combien de... 4. 3. Ok, bah alors du coup, c'est toi qui commence. T'as plus 1%, tu tires sur... Lui. D'accord. Donc à 56. Et je tire avec mon fusil, El Fusilo. El Fusilo. Ouais, 30 mètres, je peux faire que du coup par coup. C'est parti. La dispersion est fiable, je sais pas à quoi ça sert, mais... Alors, dispersion, putain. Moi j'ai dispersion est fiable, j'ai le même fusil. C'est, en fait, le fusil, c'est presque un espèce de fusil à pompe. C'est un pongun. Non, c'est pas tout à fait un pongun, parce qu'il y a le pongun. En fait, ils ont fait fusil de précision, fusil et pongun. Ils ont fait une distinction en français. Ok. Ce qui veut dire que dispersion... Pourtant, j'ai normalement, mais... J'ai l'impression que j'ai comme les deux en même temps. Peut-être que ceux de derrière se prennent quelques balles, mais... Quelques résidus de balles, il faut déjà que je touche. Oui, t'es là. Puis AT, c'est quoi? Tir à bout portant. AT, je crois que c'est le chargeur. AT, c'est le chargeur. C'est la tribu alors. De quoi? De la dispersion. Dispersion selon la tribu, oui, normalement, toi, ta carabine laser, c'est pas dispersion. C'est fiable. Ouais. Oui, fiable, sauf qu'il y a c'est un vide de crâne. Puis RCH, c'est quoi? RCH, c'est ton chargeur. C'est le rechargement. Ah, le rechargement. Ça veut dire que toi, vous prenez un certain temps d'action complète à recharger, machin. C'est deux actions complètes, c'est ça? Oui. Parce que toi, t'as un truc. C'est quoi la dispersion là? Mais t'as pas de dispersion. C'est un attribut particulier. C'est-à-dire que quand vous tirez à bout portant. Ouais, on est pas bon. Vous faites. Bon, plus je vais quand même vérifier parce que bout portant, c'est 3 cases. Peut-être 3 cases, on est pas loin, hein. Tu sais, il y a des fusils, tiens, loin qu'un. Bah, vous avez techniquement. Le fusil d'assaut, c'est 90 mètres, par exemple. Donc, du coup. Ça va. Bon. Celui-là, c'est 30 mètres en portée. Donc, moi, je me mets là. Tous ceux qui arrivent là, c'est. C'est ça. T'attends, toi. Puis après, ah, oh, merde, ça me tombe dessus. Tu restes en visée, peut-être. Ouais. Portée courte. Alors. Portée. Courte. T'es même pas là des bonus, c'est n'importe quoi. Oui, bout portant, par contre, ça... Alors, les tests destinés à tirer sur une cible située dans un rayon de 3 mètres avec une arme à distance... Il est à 3 mètres. Non, il est à 4. Il faut qu'il soit à 3 cases. Mais vous êtes... Alors, vous avez quand même un bonus de plus 20, en plus du plus 20 de visée. Allez, donc, faites-vous plaisir. Et puis le fiable, il sert à quoi? Le fiable, c'est quand il s'en va. Ah oui, ok. Il touche pas. Allez. Pouh. Est-ce qu'il touche celui moi qui a... Moi je tire là avec le pistolet laser. J'ai 76. Si c'est un type... Avec plus 40. Ouais. Ah oui, si c'est un type E, ça fait quoi? C'est automatique, c'est écrit. Ah. BAM. Celui-là, il t'a pas vu, donc tu peux faire les dégâts. 7. Plus 1. 8. C'est le pistolet, c'est pas un des 5 plus... Non, c'est un des 10 plus 1. Pistolet laser, compact. Oui, c'est un tout petit qui se cache bien dans une boîte ou un truc. Hein. C'est le criquet infernal. Parce qu'il est compact, il fait moins de dégâts. Par exemple, au pistolet laser que je sais plus qui. Ouais, mais le fusil d'assaut, oui, ça fait 7 plus 1, 8. Des 10 plus 1. Voilà. Plus 2. Combien ils ont d'endurance? 160. Ok. C'est bon. Cire, fusil, pistolet, mutation. Ok, ça c'est bon. Ah, mais j'ai esquive. Non, c'est pas vrai, j'ai esquive. Non, tu m'as oui, je t'ai pas vu. Alors, tu peux mettre un petit. Combien ils ont PV, c'est con. Ah, et ils vont mourir. Non, c'est bon. Je note. Ok. C'est vraiment. Suivant. Je te suis même. Vas-y. Lui? Non, moi je suis là. Ah, oui, t'es là. Ok. J'ai toujours le plus 40 alors. Oui. Ah, 79, ça devrait bien se passer. Ah, ouais, ce que je disais. Ouais, c'est bon. Feu! 26. Salut les gars. Ça m'a fait plaisir, toujours. 10 plus 2. 7. 7. Avec le plus 2 déjà? Oui. Ouais. 5 plus 2. Ah, il est pas mort. Dommage. C'est bien le pas grave. Je m'attendais à ce qu'il y a un peu. Comment je tire? Eh, on tire dessus, vas-y. Comme tu le sens. Tire sur celui-là. Je tire sur celui-là. De toute façon, lui, maintenant il nous a repéré pour pouvoir tirer sur tout, donc on devrait le descendre. 54, c'est bon. Il touche. Vas-y, touche. Les gars. Bim. Ah non, attends, je peux faire un jeu d'esquive. C'est moi qui parle, tu peux esquiver. Il se jette à couvert, mais il rate. Ok. Il se jette contre le mur. C'est 1 des 10 plus 4. On voit plus. 3, 7, et puis il faut ajouter. Rien du tout, t'as déjà les bonus inhérents à. Plus 4. Ah, ok. C'est le fusil à pompe, mais avec 2 balles. Hein. Ah, eux bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ouais! Toi! Viens, je t'attends. Attends, t'es où? Moi, là. Ah, t'es là. Hé, Gamine, bouge-toi, t'as fait derrière. Oh, putain. Ok, c'est pas.
Alors en fait, il donne un coup de pied de biche. Tu vois le pied de biche, il fait pouf 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 pouf. Du coup, il est là. Ping, ping. Il sort un pistolet. Ah okay. L'autre va tirer. Du stuff, enfin. Non, il va avancer. Un pied de biche, super. Bah, il sort un pistolet maintenant. Il va tirer. Plus pourri, les résultats. Il va tirer sur. Lequel? Non, il touche pas. Lequel il dit... Celui qui s'est caché derrière l'autre. Ah. il tire au pistolet sur toi, mais. Ça tire sur son pote devant. Ah oui, en fait, attends, il y a une chance qu'il touche son pote. Il touche son pote. Paf. Paf, il tue son pote. Le pistolet. Il le finit. Oui, en fait, le mec qui est devant toi est versé. Non. Ah non, mais celui-là il subit qu'un tout. Non, il tire en fait sur celui qui est contre. Kakat au corps à corps. Il est blessé, mais il n'est pas versé. Il n'a pas versé le premier. Ok, à vous. Toi, à 8. Moi, je suis un peu l'agent. Je peux tirer au corps à corps ou là, je me prends un malus. Soit tu tires sur lui, soit tu défonces lui. Tu prends. Bah, c'est de tirer sur le sol. Tu prends un malus si tu tires au corps. Lui, il est presque mort. Hein. Si tu mais touches, c'est un truc à dispersion, c'est pas. Je le crée. Ah oui, non, mais là, c'est ta. Qui... Alors, tu considères que tu peux tirer parce que t'as. Ah ah oh merde! Donc ça veut dire que tu me fais déjà un jet avec plus, plus 30 seulement. On va voir ce que ça fait. C'est un dé. Ok, par contre tu ne pourras pas retirer avec le fusil. Attends, je peux pas du tout. Non, parce que... Une balle. Ok, bon. Suivant. C'est qui tu tires sur moi? Donc moi, faut que tu tires sur lui pour le péter, quoi. Par exemple, vu qu'il a plus qu'un PV. Paf. Oui, paf. Tout plein. 8. Ok, il verse. Tu vas te péter la gueule dessus, nanana l'air. Là, je tire sur l'autre. Toi, t'es au corps à corps. C'est pas déjà. Là, je peux quand même. Deux morts, les gars. Considéré comme étant au corps à corps. T'as un pistolet ou t'as autre chose? J'ai raté deux fois là. Ah oui, du coup, deux morts, hein, s'il vous plaît. Deux. J'ai raté deux morts. J'ai raté deux. Alors, si tu tires au corps à corps, t'as un malus. Si tu tires sur l'autre, tu peux tirer, mais je vais faire un petit jet de mental, voir s'il est hypercute que dalle. Donc, tu peux tirer sur l'autre sans avoir de taille d'opportunité. J'ai pas de bonus ou non. C'est gentil de t'occuper de moi. Réussi. Bim. 29. Vas-y, pompe. Oui, 7. En tout 7. Ouais, d'accord. Ça va. Tu es sur qui là? Sur celui qui est là. Celui qui est là. Sur la main aussi? Oui, c'est couvert par. C'est couvert par. Le grand gaillard. 1m80 couvert par la petite de 15. Parce que. J'ai toujours un bonus. Non, t'as plus de bonus. Bonus de visée a disparu. C'est bon. C'est raté. C'est bon, raté. Au corps à corps, ça passait, mais au tir, c'est raté. Ah non, y a plus rien du tout. Y a plus de bonus, hein. Plus rien du tout. Moi, j'avais plus. C'est raté. Rien du tout non plus. Oui, j'ai. Et toi, c'était bon, t'as pas fait beaucoup. Je fais 27, c'était juste. Bah, c'est un peu chaud, c'était juste. Qu'est-ce qu'il va faire, le mec derrière? Est-ce qu'il est intelligent? Non. Non, j'ai. Avec un squalapin entre les mains. Yo. Toi, là, le gros. Ah. Ah, quand même. Alors, le premier qui est contre, 4. Non, vas-y. Ah merde, il est au point. Ok, on s'en fout. Le deuxième qui est... Non bah au point. On sait jamais. Va te faire foutre un œuf. Et le troisième, qui va faire le troisième. Le troisième, vous le voyez faire les poches de son pote et ressortir le flingue. Je suis un malade. Enfin, il tire pas, mais... Il va tirer, mais par contre... Ça tomberait à cette pote devant. C'est un peu ça. 8. Oh, ça coupe. Vas-y. Attends. Le nombre 4. Bien, pas mal. Continue. Alors, moi j'ai des malus pour tirer sur qui? Là, pour lui, sur lui, j'ai probablement... Ouais, non, t'as des malus parce qu'ils sont devant... Tape. Actuellement. Faut essayer de taper, toi, si t'arrives. Non, il est derrière, il peut pas... Tu fais rien, quoi. Surveille, pas faire pas des gens qui arrivent. Tu peux essayer de taper, de tirer sur un qui est au corps à corps, mais t'as moins 20. Ouais, enfin, bon, t'as moins 20 plus 30 parce que t'as un bout portant, mais. Au pire, c'est que 10, ça fait plus 10. Au pire, vise-tire. Non. Tu peux faire une demi-action visée. Si, tu peux faire une demi-action visée et tirer, oui, ça te donne un plus 10. Donc ça fait plus 20. Plus 20. Ouais. Ouais. Bah, ça fait 49, c'est largement faisable. Bah ouais. Non. Mais non. Mais c'était faisable. Bon, moi, il y a le mec à côté. En premier. Oui. Lui, je gagne un bonus alors, vu que moi je suis là, puis les deux, les trois à côté. Ça dépend sur qui tu tapes. Je tape sur celui qui est devant. Sur celui qui est devant toi, tu donneras pas de bonus parce qu'elle, elle est au contact de sud. Elle se bat contre celui d'en face. Et si je tape contre. Oui, t'as un bonus. Je tape contre. Parce qu'on est deux contre un. Ouais, là, oui. Ouais. J'ai un bonus de 10 ou de 20. T'as un bonus de 10. Bonus de 10, 45. Vas-y, frappe. Ouais. Ah, donc tu tapes à quoi? Au couteau. Au couteau, ok.
notre ami. Est-ce que. Pourquoi c'est pas les deux assassins qui suréquipés qui sont devant? Parce que les tags de sont comme. Oui. C'est un bonus, c'est un malus, c'est un. C'est un truc de CT, tu rajoutes ta force aux dégâts. D'accord. C'est un jet de tir aussi. C'est t'as les malus comme si tu tirais avec. On a plus 10. Alors, t'aurais. Bah, t'es. Non, parce que t'es pas considéré comme un bout portant avec une arme de jet. Ah. Pas de bout portant. Mais. Il me faut deux actions complètes pour recharger mon fusil, c'est ça? Oui, parce que en fait, tu dois. C'est plusieurs deux coups, c'est tout. Moi, le pistolet, c'est parce que comment j'ai. Toi, c'est un pistolet zélé, quoi. Ah bah, ouais. Du coup, c'est une cellule énergétique qui est dedans. Puis on sait quand. C'est-à-dire, j'ai juste le moins 30, c'est ça? Quand t'as plus de coups, en fait, t'as une petite batterie sur le côté comme un ATM. Puis je sais. Moins 30. Tu tires avec quoi? Si je tire avec l'arme de jet. Alors, si tu tires avec l'arme de jet, t'as moins 2 ou 3 fois. Non, j'ai tiré 2 fois. Non, là, j'ai rechargé mon. Première commande d'action, clac, tu ouvres le truc, tu sors les balles. Ensuite, tu fais I. Ok, je suis avec vous les gars. Alors, celui qui est contre 4. Il y en a pas un qui était là. C'est qui lui là? Ça c'est 4. T'es moi, t'as pas tapé, t'as déjà. Ah, oui. Ah, si, j'ai 3 mais fois. En fait, il a pas de. En fait, j'ai pas fait mon. Donc, sur... Ah, je te touche. Ah merde. Ouais. Tu peux me faire un jet. Tu peux me faire un jet d'esquive. Je te toucherai par 40, je ne sais pas où c'est. Parade, c'est combat plus 10 ou. 40, t'es au tour. Non, c'est pas plus 10. Bah, bon, bah, 35 pour essayer. Oui, t'as rien à perdre, c'est gratuit. 0,05, c'est beau. C'est bon, donc ça part. Il donne un coup avec son. J'ai pas une contre-offensive. Non, t'as pas de contre-offensive, t'as rien du tout. Et le dernier qui tire avec les pistolets. Il vient de le ramasser, il a le temps de. Dans le tas. Oui. Bah, c'est leur tour. Mais c'est des vêtements. Ouais, moi, c'est quoi? Un seul coup, un seul tir fort. Ah, oui. Donc, il va tirer une fois dans le tas, il s'en fout. Il chope ses potes, il les tue. C'est possible. Alors 50% de chance, c'est dans ses potes. C'est pas dans ses potes, c'est dans le plafond. Dans le plafond. Est-ce que ça tombe sur ses potes? Non, parce que si ça tombe sur ses potes, ça tombe sur vous. Hein. C'est non, pas sûr. T'as jamais fait un t'as les cartoons, t'as vu ta blague qui tombe. Mister. À toi. Allez, un coup de couteau. Ouais, toujours. Tape sur le mien, ça tape juste. Wouhou! Fais les dégâts. Ah non, attends, j'ai une parade. Non. Ou pas. Ah non, mais tiens, le tien il était au point, non, il a pas de parade, non, bon, vas-y. Couteau c'est 1D5. 1D5, c'est en malus, celui-là. Plus force, 3 plus ta force. Non, 2 plus ta force. Ça fait 2, ça fait 5. Tu le blesses. 5, ok. Mais il est pas mort. Je. Bon. Check si ça arrive. Donc tu te retournes. Non, y'a rien. Y'a rien. Ça prend une action complète ou bien? Ça prend une demi. Une demi? Tu donnes un coup en arrière. Ouais. Ah, je peux donner deux coups avec le couteau? Non, parce que t'as qu'une seule attaque. Donc, pique. Okay. J'y vais à pique. Ton bidex, c'est ça? Plus non, 10. Puisqu'il peut la viser, c'est juste. T'es à coup portant. 30. Combat multiple, moins 20. Plus 10. Donc, oui, c'est oui. Ok. Non, parce qu'il y a beaucoup de. Raté. Ah. Non, à moi. Tu me jettes un des. Parce que t'as raté ton tir, il y a des chances que ça touche quelqu'un ou pas? Mais non! Oh, ça ne touche personne. Sérieux, j'ai à toi. Bah, moi j'essaie toujours de taper sur eux, comme ça. Oui. 10. Réussi. C'est bon. 23. Vas-y, fais les dégâts. On des 5. 1. Oh. Plus. Plus ta force. Bah, 3. 4. Il est toujours pas mal. Il est bien amoché, mais il est toujours pas mal. Moi je continue à recharger. Le coup tout après, tu vois, c'est les. Allez, le premier qui veut presque aller. Je vais te manger, fillette. Je vais te manger. Oh, je te touche. Yeah. Tu touches qui déjà? J'esquive. Fillette. La fillette, toujours. La fillette. Esquive. La fillette. Non. 41, j'ai. Alors, j'ai quoi? Esquive et puis barre le mur. Aïe, je te fais un point de dégâts, on s'en fout. Parce qu'il est désarmé, il a pas d'arme. Je fais un point de dégâts. En passant ouais. Par le. Son ambiance. Non, il fait un point de sur le D5, plus son bonus de force, ah, puis ouais, moins 3 parce que c'est des points nuls, ouais. Du coup ça fait 1. Yeah. Si je fais 1, je fais 1. Le deuxième, tu fais pas. Arrête de taper mon pote 1. Je touche. Il est bon, il est chaud. Touché. Attends, je te touche en 91, tu peux faire une parade. Non, je touche. Tiens, Queen. J'ai quoi? Arme primitive, pied de biche. T'as pris 13 combats, PV? 7. Ah merde, bah tu te prends. Et tu tapoules. 11 points de dégâts dans le pied. Disons quoi dans le pied? Putain, 11 points de dégâts. Bah 1 des 10 plus 3, et j'ai fait 8 sur 10. Ah, bon, 4 dans du, ça fait 7, t'es à 0. T'as pas pied de biche aussi celui-là? Celui-là il tape au pied de biche. Ouais. Avec 13 de poche fortune. Et puis celui qui tire, il tire dans. Bon, il va tuer le droit de technophone.
Moi qui rate. Oui, avec le malus, je rate. Ah, j'allais dire avec le malus. Et c'est dans le plafond. Bah, il tire, il y a moins 20 quand même. Enfin, concrètement, quand il tire, il faut bien vous dire qu'il a 2% de chance de toucher. On sait jamais. Oui, donc il a 8. Un, non, il a 1% de chance de toucher et 1% de chance de t'exploser la gueule avec une critique. Oui, effectivement. C'est fait. Ah, j'ai pas mis la musique du combat, pardon. C'est si, mais c'est enlevé. Je prends une. Je sors mon laser laser. Je prends une demi-action pour faire Sarnak ton épée. Parce que sinon je vais m'énerver au bout. Je balance la petite cotonne. Okay. Non, non, t'es ça. Je continue, ça qui résiste. Allez, attends. J'ai pas compris ce qu'il a dit, je continue à tirer dessus. Rien, tu touches même pas. Parce que c'est pas assez long. Sur lui, parce qu'il est presque mort. Demi-action visée, je tire. Ok. Ça fait 49. Je veux un marteau. Bah. 6 plus 3, 9. Oh, non, 6 plus 1, 7. Tu peux le virer. Les gars, 3. Et on t'aide. Hein. C'est toujours les coups fatals qui rapportent l'XP. C'est vrai. Rien d'autre. C'est vrai. Bon, bah, je vais essayer de. Je vais quand même continuer à taper. Tu fais ton job, hein. J'ai un bonus, ah mais j'ai pas de bonus là parce qu'il est à côté de moi. Non, j'ai pas un... si t'as... Oui, t'as pas sur le. Non, bah je t'ai demandé celui que t'avais dans la gueule. Non, raté. Bah moi je vais. Ah, je peux me déplacer là. Oui. Il est à côté du tap, s'il te plaît, tu l'as. J'aurais plus de bonus au corps à corps. J'ai chargé mon flingue, mais du coup j'ai pas pu arrêter parce que merde. Vas-y, plus. Non, t'as plus 10 seulement. Parce que 4, mais on va pas encore te frapper dessus. Pas encore, la viendra, t'inquiète pas. Je ça touche. Touche. Vas-y. Fume-moi ce machin. La D1 des 10. Plus son bonus de force. 5. 8. Ça fait 8. Non, force plus 4 moi. 9, ok. Bien mal. Cassé. La formation aux armes. Je sais même pas pourquoi je me suis mis à distance, je suis fait pour aller. Formation aux armes, c'est encore free throw. C'est pour ça que je disais, par exemple, je peux utiliser, je sais pas, je peux utiliser son malus. De force. Tu peux utiliser son malus. Attends, les coups d'épée ça fait mal. Ok, le mec qui s'est pris un coup d'épée va taper sur le mec qui lui a donné un coup d'épée. Parce que de toute façon, entre lui et elle, ça ne touche pas et ça passe pas. Le mec qui tire, bah le mec qui tire, il va monter sur son bloc. Dégage, t'es moche. Il va tirer sur. Ah, y'en a un gros qui s'est tiré, il arrive pas, non, est-ce qu'il est sous son copain, non, il tire au plafond, pas mal. Encore. Oui, bah... C'est lassant. Ils sont extrêmement effrayés. Hein. J'ai un plus combien? Mais tiens, on s'en fout, j'ai raté. T'as plus 20. Ah, ça passe. Et là, il fait une fureur, il fait 116 points de dégâts. 5, 8... Non, 5. Parce que j'ai un des deux, ouais, c'est 3. 2 plus 3, 5, ouais. Oui, ok. Big Bers. Non. Vas-y. Non. Si, je t'ai piqué ton frag. Ça bah si. L'autre il est enfoncé dans le mur. Bon bah. Du coup, il y en a là. Là je vois. Attends, non, il y a lui. Ah. J'ai une vision sur lui. T'as vu des barres avec lui. J'ai une tir. Vision sur lui. Oui. Tire. Je considère que par contre il y a un couvert notamment. Tire. Tu peux monter dessus, ça marche. Le pire, t'as aimé, hein. Je pense pas sur next play. Bon bah moi je vois là, je pense que. En fait tu vas voir ce que tu dis, j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû faire ça. Raté. Tu parles du mec qui a trop pas. Quoi? C'est un mec. Il a des pistolets. Est-ce que je le charge ou est-ce que je. Vas-y, charge. Non, je vais essayer de tirer. Bon, 32. Tu vois. 60. C'est raté. Quand on essaye de tirer, là, on fait pour tirer. C'est-à-dire que si on réussit pas, on rate. On est récupéré un peu. Donc on a quand même tiré. Oui. Non, c'est pas juste. Ah non. Ah non. Le mec il tire, il s'en fout. Le premier qui est devant lui, c'est qui? C'est toi. Mort, chien galeux. Putain, raté. Chance. Ok, à toi. À 4. Tu passes devant, c'est d'aller le taper au cac. Le seul qui... Non, j'en ai marre, je me retourne, je vais chercher la barre à mine. Ok. Elle est où? Elle est là. Ok. Bah, j'ai pas d'arme à feu. Ah, le baby. Si je le charge. Oui. J'ai un dégât de. Un bonus au. T'as plus 10 au corps à corps. Ça te prend une action complète et t'as plus 10 au corps à corps. Bah. Donc je charge et stop. Bah. En fait, tu peux pas charger parce qu'il faut te faire 4 mètres de course. Mais.
Ok. Donc tu peux avancer par exemple taper. T'as pas plus 10 mais au moins. Bah si il est 4, il est dessus. Non parce qu'il fait, il fait 2 mètres. Non, non il doit 3. Faire 4. Il peut pas pouvoir prendre de l'élan et. Ouais. Bah oui mais tu charges en ligne droite le plus. Donc 2. Ah. En gros. Quoi. Non tu charges pas. Enfin mais pas. Voilà. Je charge comme ça en fait. Alors je peux considérer que tu peux faire un grand mouvement et en plus t'as le dos. Voilà. Voilà, moi je me mets là. T'es bien. Comme ça je te dis, puis s'il vient, il a encore un corps multiple, il aura moins vite pour toucher. Moi je touche pas non plus, non on s'en fout. Next. Je joue la sécurité, ouais, c'est bien. Tirer, oui. Ça passe. Alors, 30 de juste. Vas-y. Il combat les bras cassés. Raté. Ok. Il survit encore, c'est là. Moi j'ai non pas la distance pour charger. 1, 2, 3, non, je suis 4. Si t'es 4, c'est bon. Toi t'es 4 toi. 1, 2, 3, 4. Mais en ligne droite, c'est en ligne droite, sinon ah, tu fais les diagonales. 1, 2, 3. Ouais. T'es juste pas assez près, pas assez long pour charger. Bon, je tire. Ah. Non. Je mort. La pression. Ah, boum boum boum, sur toi. Ouais, oh, on va te faire foutre. A toi. Je récupère la barre à mine. Non, tu veux pas charger au travers de tes potes. Tu fais un grand mouvement que tu vas te faire. Tu les mets comme ça parce que j'ai en ligne droite. 4, 5, 6, puis tu tues. 6, si tu peux. Ok. 6 là. Je fais deux mouvements quand même. Oui, ça marche. Demi-action visée, puis tirer. Plus 10 oui. Oui. Fais. Tu touches, dis donc. 6. Il tombe. Non. Non. Ah, ils sont gros. Non, c'est, oh, c'est juste que je vais dire quoi. Des gâteaux, bon, moi, je peux pas charger, mais. Je vais taper. Il a un coup d'état dans la tronche. Non, il a tiré sur deux cartouches. Non, c'est pour ça. Il va faire deux essais. Oh, bah, c'est cette fois par contre là, je pense. Oui. Sans doute. Vas-y, fais les dégâts. Foire pas. C'est bon, bon ça. Plus oui, force 4, 12. Oui, c'est bon. Il est coupé en deux. Non! Bon, bah dis-nous ce qui se passe maintenant. Non, c'est pas derrière. J'ai fait 4 faciles. Rien, particulier. Sans souci, on a pas voulu de PV, je crois. Parfait. Non.